Retrouver rapidement un ventre plat à la maison avec un balai, c'est dans cette vidéo que ça se passe. Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est parti sur 10 meilleurs exercices pour avoir rapidement un ventre plat à la maison grâce à un balai. La séance que nous allons faire ici, je l'ai pris dans cet ouvrage disponible sur Amazon, à la Fnac, mais également chez nos différents représentants. Et si c'est la première fois que tu atterris par hasard sur cette vidéo, je suis Mathieu Sporco et je t'invite vivement à activer la cloche de notification et à t'abonner pour ne louper aucune de nos séances sportives et alimentaires pour ne pas dire des astuces perte de poids. C'est fait? C'est très bien. Alors, je vais te partager un secret. Du moins, ce n'est même plus un secret. Je vais te partager exactement comment moi je fonctionne lorsque je vais démarrer ma séance de sport. Alors, nous avons mis sur pied cette boisson qui s'appelle le kit brûleur de graisse by Mathieu Sporco. Il est constitué de 6 plantes naturelles bio-certifié. Il est cultivé sans engrais chimiques et sans pesticides. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement venir ici activer mon métabolisme. Car on sait tous que le métabolisme est un facteur indispensable dans une perte de poids. Et par la même occasion, il va stimuler le déblocage du gras récalcitrant. Et comme ça, avec cet exercice, cette petite séance de sport qui va durer seulement 10 minutes, résultat 100% garanti. Il est disponible chez nous en ce moment et chez nos représentants et bientôt dans toutes les grandes surfaces. À votre santé, les amis. Oh, qu'est-ce qu'elle est bonne. Alors, attaquons le but du sujet. Alors, aujourd'hui, on va réaliser 10 exercices à une fréquence de 40 secondes d'effort et 20 secondes de récupération. Donc, tu auras juste besoin d'un balai, de ton beau sourire et bien évidemment ta motivation. Ok? Donc, c'est parti. Le premier exercice, je lance le chronomètre. First exercise. On attrape le balai comme ceci. On va de la gauche vers la droite tout en gardant bien le buste droit et les abdos bien gainés. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que ça, c'est un exercice très puissant qui te permet d'avoir une taille fine rapidement. Donc, on va serrer de toutes nos forces. On ancre bien le genou au sol. Si vous pouvez le faire debout, tant mieux. Là. On bascule de toutes nos forces, de la gauche vers la droite. Hop. Et là, et je te recommande de toujours faire cet exercice tous les jours à jeûne. 5 minutes par jour, tu verras toi les résultats. Prochain exercice, on va travailler les épaules parce qu'il faut savoir que même pour avoir un ventre plat, il faut travailler l'ensemble du corps en entier. C'est le corps qui choisit l'endroit où est-ce qu'il va piocher le gras. Donc, on est dans cette position, on serre bien le ventre et on vient faire des élévations latéral, du moins en avant autant que moi, là, hop, on contrôle la descente, et là, hop, on souffle bien, très bien, on garde le petit sourire, on reste concentré, là. Parfait. On récupère 20 secondes. Alors, prochain exercice, les trapèzes. Donc, on va tout simplement faire des élévations là et là. Trapèze, épaule. Hop, hop, et là. Ok? On serre toujours le ventre. On est là. Hop, et là. Good. Hop. Parfait. Hop,
Good. Et là, on souffle bien. N'oubliez surtout pas, les amis, que l'alimentation va venir faire le grand travail. Et toujours dans l'ouvrage, j'ai pensé à vous mettre des exemples de menus minceurs. Là. Parfait. On récupère. 20 secondes. Ensuite, on va travailler maintenant les bourrelets du dos en faisant des essuie-glaces. Donc, j'essaie de prendre là, aux extrémités, comme je peux. Au moins, si vous n'êtes pas assez souple, vous prenez comme vous pouvez. Mais c'est préférable de prendre aux extrémités là et faire ceci. Hop. Essuie-glace. Là. Et là. Si c'est trop difficile, marque un petit temps d'arrêt, mais continue. Tu ne fais de course avec personne. Mais le but, c'est d'arriver à destination. Là. Essaye vraiment d'aller chercher au fond et tu reviens là. C'est pas la peine de faire ça. Non. Là. Et là. Go. Parfait. On récupère 20 secondes. Tu vois qu'il n'y a rien de difficile, cher ami. Tout, c'est une question de volonté. Prochain exercice, on va faire le gainage dynamique. Un gainage que j'aime bien et que je te recommande d'ailleurs à toutes tes séances de sport. Donc, tu te mets en position de gainage ou version d'obèse et tu viens tout simplement de là, de la gauche vers la droite, comme ceci. Donc, tu mets ton balai au milieu et tu viens là. Hop. Là. Si c'est trop difficile, c'est pas grave. Tu viens tout simplement là. Hop. Et là. Mais tout en gardant le dos bien droit. Pas comme ceci. Non. Là. Et là. Tu décales simplement là. Tu souffles bien. Tu serres bien ton ventre pour bien renforcer le muscle transverse. Parfait. On récupère. 20 secondes. Excusez-moi. Je suis trop amoureuse de cette boisson. Ensuite, gainage statique. Pour ceux qui me suivent savent que voici un des exercices que je dois réaliser tous les jours, même sans négociation. Alors, tu places ton balai là, comme ceci. Tu ramènes légèrement ton buste en avant. Et là, cher ami, tu peux commencer à travailler. Et si tu as assez de force, crée un petit déséquilibre là, tu touches le sol. Et là, pour renforcer aussi en même temps tes bras. Et là. Go! Très bien, cher ami, c'est bien. Je sens que tu le fais très bien jusqu'ici. Allez, hop. Un petit sourire pour Mathieu Sport. Un petit sourire pour les enfants. Un petit sourire. Parfait! Alors, prochain exercice. On va tout simplement pagayer. Là, comme ceci. Donc, je préfère me mettre assis pour que ce soit encore beaucoup plus efficace. Donc, lorsque vous faites des ruches en twist, pour ceux qui me suivent, inutile de décoller les pieds du sol parce que là, tu vas solliciter le psoas. Dépose tes pieds au sol et là, tu viens faire le mouvement du pagayeur, du piroguier. Là. Hop. Hop. Good. Là, tu ramènes légèrement ton buste en arrière pour bien solliciter encore le haut de tes abdominaux. Là. Et hop. Hop. Et là. Et là. Et là. Hop. Parfait. Good. Fouf. Alors, prochain exercice. On va tout simplement rester assis. Donc, on va pointer notre bâton là et on va venir chercher sur les côtés. OK? Donc, là, je décolle les pieds du sol. Là. Je sais que ce sera un peu difficile pour certains d'entre vous, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez juste déposer le bâton là
et par la même occasion, prendre un pied et vous ramener, comme ça. Ok? Là. Comme ceci. Mais pour ceux qui ont assez de force, écoutez toujours votre corps et là, nous on vient faire ça. Hop. C'est vrai que c'est un peu plus difficile, mais aussi beaucoup efficace. Good. Parfait. Prochain exercice. On n'oublie pas de s'hydrater. Le kit brûleur de graisse, les amis, est disponible chez nous et chez nos représentants. À votre santé. Ensuite, donc, je suis là. Je vais tout simplement faire ceci. Hop. Je tends mes bras, mes pieds autant pour moi là. Et je ramène. Hop. Et je ramène. Et là. Et là. Très important ici, le bas du dos doit être plaqué au sol durant tous les exercices. Ok? Donc là. Hop. Et là. Parce que si tu viens faire là, tu n'es plus là, tu n'es plus bon. Là. Parfait. Et là. Hop. Good. Prochain exercice. On va tout simplement rester au sol. Et ce qu'on va réaliser ici, on va tout simplement essayer de se relever. Donc là, on tend les bras et on vient réaliser des crunchs là. On essaie de se relever. Là, hop. Alors, très important ici, lorsque tu remontes à ce niveau, essaie de vider complètement l'air du corps. Donc, tu dois être à sec. Donc là, hop, et tu reviens. Et là. Et là. Et là. Parfait, bravo! Tu vois, voilà une séance type avec un balai à la maison pour sécher le gras du ventre et avoir un ventre plat et une taille fine. Je t'invite vivement, cher ami, après une séance comme celle-ci, à consommer ton puissant kit brûleur de graisse qui va cette fois-ci nettoyer complètement ton système digestif. Il est disponible chez nous. Uniquement et chez nos différents représentants. À ta santé. Alors, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose. J'espère que cette vidéo te parle. Si c'est le cas, tu connais notre deal, cher ami. Mets-moi un petit pouce. C'est gratuit et moi, ça me fait plaisir. C'est la seule façon pour toi de me remercier. Et d'ici là, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Mathieu Sporco, ton coach sportif.